cette nouvelle équipe. On se retrouve aujourd'hui, les gens, forcément pour Mario Kart 8 Deluxe. Il est 16h et quelques, ça vient juste de sortir les nouvelles maps, dont de la pack 2. Une réellement nouvelle. Mais oui, donc mais on va aller vraiment voir. Une surprise, hein, on va aller la découvrir en contre-la-montre pour avoir le temps et puis juste la voir visuellement, exactement, vraiment en plein écran pour voir si c'est joli ou pas. En tout cas, il faut faire péter la barre de pouces bleus, voilà, faut s'abonner à la chaîne, faut nous dire enfin, si ça vous plaît, faut nous dire si vous avez réussi aussi à avoir du coup le DLC. Donc ah, vous pouvez acheter le DLC payant. Du coup, oh, le nouveau, c'est Cité Sorbet. Cité Sorbet, c'est exactement ça. Du coup, il y a Escapade New York, Cirque Marie 3. Oh, le Flipper Waluigi, ouais, il est trop bien. Non, mais le Desert Calimari, pour ceux qui ont joué sur 64. Ah ouais, ouais, ouais. Non, franchement, la gorge champignon, c'est incroyable. Bah, surtout, vraiment, la Cité Sorbet, qui est un vrai nouveau circuit. Et on pensait pas qu'ils allaient créer des nouveaux circuits, parce que de la manière dont ils avaient annoncé ça, c'était plutôt que des remasters. Voilà, je vais pas du tout y aller en mode speed. Hein. On va non, on y va en mode détente. Pour vraiment visualiser, parce que les autres, bon, c'est du remaster, donc on a moins besoin de découvrir, mais là c'est une vraie une vraie nouvelle map du coup créée par Nintendo pour la vague 2 du pour la vague 2 du DLC et du avec coup Guillaume, c'est plus joué. Et si mais je regarde oui c'est vrai que je sais plus jouer un peu mais je regarde un peu le décor, donc on est dans un café, ouais, c'est ça, qui bah, sert des glaces, ouais, voilà, forcément un glacier, eh, c'est ultra, oh oui, tu vois bien, d'accord, direct. Ok. Et prairie meumeu. Ok. Avec le lait de la prairie meumeu, on a vu. Hélicoptère, petit escalier. C'est mignon, hein. Là, il y a. C'est quoi? C'est un. C'est un glacier. Ah, ice cream, il y avait marqué au-dessus. Mince, quel idiot. Je reviens. Il va dire de faire demi-tour. Ouais, mais c'est et c'est qui à l'intérieur? C'est Yoshiro, je crois. Yoshiro! Donc ils ont créé une nouvelle musique, j'imagine. Oui, bah, je pense. C'est trop mignon, donc c'est tu remontes toute une petite ville. Bah franchement, bah, ils l'ont pas fait pour la vague 1, c'est pour ça qu'on se doutait pas qu'ils allaient créer un vrai et nouveau circuit. Je pense qu'ils ont peut-être changé d'avis, peut-être. Je pense, ouais. Mais du coup, c'est énorme. C'est très, très non, mais bien. Les gens, ça y est, enfin... Enfin, des nouveaux circuits. Non, mais vous vous rendez compte qu'on était partis sur le Nintendo Direct. C'est vrai qu'on a fait partie de... En tout cas, nous... Alors, de ceux qui étaient contents d'avoir une... Non, mais ce que je veux dire, nous, on voulait quand même des nouvelles maps, de la réelle nouveauté. Oui. On était contents de voir qu'il y avait des portages. Oui. Mais c'est vrai qu'on aurait bien aimé avoir une ben nouvelle voilà, map, et franchement, ils l'ont fait. C'est trop bien, parce que du coup, t'as vu, avant, on était sur des bacs à glace. Du coup, tu peux aller au-dessus, là. Ou en dessous. Ok, donc t'es sur une sorte de gaufrette, de glace, de cornet, de... Ah, c'est stylé. Et donc là, c'est une vraie nouvelle map, c'est ça qu'on veut. C'est-à-dire que, bah exactement, voilà, écoutez, mine de rien, bon, même si c'est une seule map, on peut imaginer que peut-être il y en aura 7 autres. Non, mais s'il y en a une sur chaque vague dans les prochains. Il en reste encore 6, hein, peut-être. Dans les prochains mois. On est en 2022 et il y a une vraie nouvelle map. Ouais, sur Mario Kart. C'est Mario Kart 9. Ça y est. Une vraie nouvelle map, du coup, ouais, ça veut dire par contre que Mario Kart 9, c'est pas prêt de sortir, oui, parce que ça veut dire bah, qu'ils ont si déjà tapé... Bah s'ils créent vraiment une nouvelle, oui. C'est sûr que ça va être un peu long, mais c'est pas plus mal, et moi, là, j'aime bien. Et là, du coup, on revient au début avec... Elle est simple, mais elle est efficace, avec ouais, les petites toads qui mangent leurs glaces, les petits Yoshi roses qui vendent des glaces, ils font tous coucou et tout. Non, franchement, très, très mignonne. Ouais, c'est cool, c'est stylé. Nous, on est très contents. On va aller tous les regarder, tiens, allez, finalement, c'est pas trop mal, comme ça, on va voir. On va aller voir un petit peu, au moins celles qui sont iconiques. Ouais, après, est-ce qu'on fait du coup deux vagues, deux Non, vidéos, je pense qu'on va, on va découvrir surtout la première, ou alors celle-ci. Bah celle-ci, vu que... ou alors les meilleures. Alors les meilleures. Moi, je voulais surtout voir la nouvelle. Voilà, oui, après, aussi. On va aller regarder ce tour-là, parce qu'on va aller faire ce tour, je pense, à deux. Avec oui. Desert Calimari, Flipper Waluigi, Escapade New York, qui est très stylé. Bah Flipper Waluigi. Et du coup, Cirque Marie. On va aller voir la celle du tour qu'ils ont remodélisé du coup. Ouais, qui était incroyable celle-là. Ça déjà c'était une bonne chose, c'est-à-dire qu'en fait ils ont annoncé des nouvelles maps. Exactement. Alors des maps de base c'était pas que des nouvelles maps justement, il y avait zéro nouvelle map. Tu fais ah non bah, j'espère oui. comment il y en aura. Et là il y en a eu. Et c'était ça, des maps voilà. de Mario Kart Tour. Et ce qui était bien c'est que c'est Mario Kart Tour, bah c'est on l'a jamais joué sur console, donc en fait c'est vraiment stylé d'avoir les maps de Mario Kart Tour. Ça a pas l'air d'être moins Mario bien Kart fait, hein. Ça a l'air d'être plutôt propre. Ils ont le même ouais. Design que sur l'autre. Ouais. Il y a toujours l'eau par terre avec la pluie. C'est ça. Ah, celle-ci, on la connaît. Oh, parce celle-ci, que celle-ci, on la connaît, sur Mario Kart Tour, on l'a beaucoup faite. Hein. Ah ouais. Du coup, comment ils l'ont adapté? Qu'est-ce qu'ils ont changé? Il doit y avoir. C'est exactement la même chose. J'ai l'impression que c'est exactement la même chose. J'ai l'impression que c'est ouais, la même chose. Contrairement là, au. Après, t'as un raccourci à faire normalement. Là, c'est le jour d'après, peut-être. Après, tu passes sous le, sous le tunnel, pont. On connaît. Donc, ça, c'est assez simple. Là, tu peux tirer raccourci. Oui, là, tu peux avoir un raccourci. C'était un petit boost, là t'as deux passes, donc tu vas aller par là-bas ou par là, on va aller par là. Ouais. Donc toujours avec les petits trucs, bah là on est à New York quoi. Bah voilà, c'est ça. New Donk City quoi. Ouais, oui ou New Donk City. Ou New City, New York, ce que vous voulez. Mais c'est plus New York puisque du coup c'est par rapport aux villes, comme il y a Sydney. Ouais c'est ça, et du coup il y a Sydney, Sydney on la Paris, connaît moins par contre. Il y a, ouais Sydney bah je la connais pas du tout à vrai dire. Ok c'est stylé, donc c'est bien donc, parce que pour pas. Nous ça va être nouveau. Bah tu te rappelles, ah si, je suis allé à gauche.
Oui, c'est normal, droite. Et après ce sera à droite, au dernier tour. C'était à droite déjà. En fait, on est passé à droite là, et après on vient de retourner. Ah oui, ah oui, tu fais. Du coup, on fait le sens inverse. Donc ça change un peu. Ok, on est dos, les combats ils sont dos. Ouais. Et du coup, on redescend, on passe pas sous le pont cette fois-ci. Ah oui, bah oui, on passe dessus. Donc il y a une petite variation. Alors je sais plus. Ah oui, il y a ça. Du coup, ça, tu peux les prendre, je pense. Et du coup, tu sautes. Ah peut-être. Vas-y, je vais rester sur une. Ouais, ça fait un petit boost. Okay. Enfin, donc, ça fait un petit boost vers le haut. Ouais, mais comme tu sautes, tu la prends au bon moment, ça te fait un boost et tu peux accélérer derrière. Du coup, les petits taxis et tout, donc faire attention. Ouais. Ok, c'est stylé. Elle est pas mal. Elle est propre. De toute façon, on va la refaire à deux. Hein. C'est juste pour découvrir visuellement. On regarde visuellement parce qu'on va être en grand écran. Parce que quand on va jouer à deux, on va être en split. Donc bah on va moins bien voir. En vrai, on va faire vite fait. Hein. Circuit Mario NES. Bah, celui-là, il est classique. Hein. C'est le Mario, c'est le circuit Mario que t'as depuis le début du jeu. Dans tous les Mario Kart. Ça, c'est le plat où il n'y a rien. Ouais. Il est juste des virages. Il y a des petits passages secrets, des petits. Oui. Ouais, c'est propre. Ouais, c'est, et franchement... Je sais qu'il y avait eu des retours sur le premier, comme quoi, les textures et tout. Là, j'ai l'impression que c'est... Bah, ça va. C'est propre, hein. Donc, pas de truc qui me choque. Alors, ouais, c'est peut-être pas plus. Trop objectif, hein, parce je joue pas à Mario Kart toute la journée, mais... Après, on joue sur un écran pas OLED et tout, mais... Ok, non, c'est propre. Bah non, voilà, c'est... très classique, hein. Donc là, après, il y a le... passage oui, les... non, mais être, c'est le. Après, oui, si t'as des boosts, tu peux passer. Là, normalement, plus facile. T'as un mur où tu passes. Entre deux murs. Ouais, c'est ça. Il y a un creux. Là, voilà. Là, il y a un champignon. Ok, là, si t'as un champignon, tu vas tout droit. Hop, voilà. Ah oui, c'est vrai que t'en as. C'est le truc le plus efficace en raccourci, je pense. Et puis, il y a un petit truc au sol, faut faire attention. Donc là, très classique. Très classique, ouais. Très classique, donc après, voilà. Y a pas d'autres circuits. Y a pas d'autres. Et le désert Calimari. Passage secret. Et le flipper. Oh là là, le flipper. Ouais. Le désert Calimari, flipper. Et ah du coup, nous, on, revient... bah, on s'est spoilé un peu sur la nouvelle map, mais on voulait aller découvrir. Comme ça, la oui, ouais, fois, on voilà. Ira, on va être trop. Bah, en vrai, on vous montre comme ça vous montre en détail un peu pour ceux qui n'ont pas forcément le pass pour voir à quoi ouais, ça ressemble. C'est ça, exactement. Bah, désert Calimari, 64. Enfin, c'est ultra plat aussi. Hein. Mais c'est propre. Ça va, le remaster est pas mal. Je sais pas sur laquelle a été tombée cette map. Est-ce que... Elle a dû être sur DS, non? Elle doit être sur DS. Sur DS. Ou peut-être sur Mario Kart 7, non? Advance? Je sais pas. Moi je dirais DS ou 3DS. DS ou 3DS, c'est possible. Hein. Ah, tu fais ça, et puis ah oui, tu pouvais passer sur le train. Moi je m'amusais. Bah, elle est sur Tour. Tu sais que je kiffais. Elle est sur Tour, je kiffais non, c'est DS, c'est DS, c'est sûr. Oui, parce mais elle est sur Mario Kart Tour aussi. Non. Je kiffais jouer sur DS et moi je passais toujours par là. Oui, c'est pas un raccourci. Ouais, mais tu ralentis pas forcément beaucoup. Et là, tu fais. Je me souviens pourquoi je passais toujours. C'est... Ah, tu peux pas là. Ah, il veut pas. Je suis interdit. Droit, tu peux pas. Interdiction. Ils ont pas géré la collision avec le train ? Bah, si, quand même. Attends, fais voir pourquoi. Ah oui, je peux pas, non, ça bloque. Tu peux pas, ah, oui, d'accord. Ça, bah, okay. Quand même. J'avais pas vu. Donc, le désert Calimari ultra efficace. Ouais, c'est 3DS. Ah oui, oui. C'est tu DS. Non, c'est DS. C'est DS ou 3DS. Et j'y ai beaucoup joué. Bah, moi aussi, j'y ai joué. C'est pour ça enfin, que j'y ai joué gamin sur 64, mais j'y ai joué beaucoup plus récemment que ça. Donc, on va regarder après. Comme ça, on sera sûr. Oui, oui. Oui, et puis oui, je vais découvrir la dernière, tiens, à ce moment-là, comme ça je vais regarder. Allez, vas-y. Je vais piquer ton portable. Oh Désert Calimari, parce oh, que tu sais, je change de manette tellement toutes les 3 minutes que je sais plus où est le bouton A. Non, en vrai, je sais plus jouer à Mario Kart. Hein. Oui, non plus, hein. Ça fait tellement de temps, bah ça a été depuis 4 mois. Désert Calimari, alors. Et du coup, le Flipper Luigi, le plus court solo. Calimari. À Mario Kart Tour. Là, tu vois Mario Kart. Mais oh bah, je me disais là, que j'avais joué de ouf en fait. Ah, et donc c'est Mario Kart Tour. Ah, c'est Mario Kart. Non, mais non, c'est Mario Kart Tour, je dis n'importe quoi. C'est sur si, Mario Kart. Oui, mais c'est réapparition sur... Mario Kart 7. Oui, oui, oui donc, voilà, donc le DS. Le 3DS. 3DS, ouais. 3DS. Oui, si. 3DS, j'y ai beaucoup joué. Et oui, mais, Mario oui, mais moi Kart aussi, Tour, j'y ai beaucoup joué. Et pourtant, j'ai pas joué beaucoup à Mario Kart 7. C'est vrai, ça que c'est vrai. Me c'est quelque vrai. Chose. Du coup, avec les meilleurs. Ouais, donc ah, on avait tous les deux raison. C'est vraiment plus, en fait. Non, mais c'est super dur. En vrai, quand tu joues pas depuis longtemps, c'est pas un jeu. Oh là là, cette map. Elle est tellement belle. Elle est magnifique, Flipper Luigi. Qui était sur DS aussi. 3DS ou DS ? 3DS. Je crois qu'il disait DS là. Elle disait DS ? Ça oui, c'est la map DS, oui, mais. Elle... La... Oui, mais après, attends. Oui, elle a sans doute. On va vérifier comme ça, on dit pas de bêtises. Et elle est sur Tour aussi. Elle est sur Tour aussi ? Oui. Non, mais on a tellement joué à Tour. En fait, finalement, il y a un portage de Tour. Voilà. Hein, oui, on va c'est pas ça, se mentir. En fait. Oui, c'est un portage de Tour. Je pense que Tour, il y a déjà une grosse remodélisation, parce qu'on va pas se mentir, sur portable, c'est très propre, c'est beaucoup plus propre que sur d'autres consoles Nintendo. Moins propre que sur. Oh là là, ce passage là. Incroyable. Et donc. Magnifique. Super Luigi. Ok, je suis pas allé sur c'est le bon, bon site. Super Luigi, alors. Vas-y, dis-nous tout.
sur Mario Kart Tour aussi, Mario Kart DS. Première apparition. Okay. Et sur le 7. Oui, donc, ouais, ok, DS, ok. C'est vrai que tu la connais par cœur. Je la connais par cœur, celle-ci. Je pense qu'on peut aller faire les courses. Vas-y. Allez. Let's go. On a bien vu toutes les nouvelles maps de cette première. On n'a pas vu toutes les nouvelles maps. Non. Mais de cette première coupe de la vague 2. Bah, si vous voulez la suite, faut hésiter à mettre un action de plus de voilà, exactement. Et puis, c'est ta manette 1, j'ai la manette 2. Multijoueur local, et puis on fera peut-être des parties avec vous si vous voulez. On essaiera de tomber dessus. On attend de il faut attendre. Parce que la dernière fois on a été trop hâtifs et elles sont pas, elles étaient pas tombées. Il faut privilégier ceux qui achètent. C'est un peu le mot d'ordre du coup. Et en gros, enfin, je vois pas d'autres explications. Oui. Et du coup. Tu prends Peach. Ouais, je vais prendre Peach Rose. Non, c'est pas grave. Moi je prends Mario d'or. Moi je prends Peach. Aucune compo spécifique, hein. on joue pour le fun. Voilà. Mais attends, mais je choisis mon carte en or, non? On l'a le carte en or. Hein? Ouais, vas-y. M'a dit. Et allez, classique. Du coup, bah, cette coupe-là, la coupe navet. Escapade new-yorkaise à deux. C'est parti. D'ailleurs, il y a une variation en fait, hein, vous allez voir. Ouais. En troisième tour. Il y a une petite variation sympathique. Non, mais de toute façon, cette map est stylée. Bah, du coup, heureusement qu'ils ont mis New York et Flipper en même temps, parce que je trouve avec les néons et tout, bah, ça va ensemble. Ouais. Bah, de toute façon, ce qui est cool, voilà, c'est vrai que c'est des maps. Bon, c'est pour ça qu'on est un peu plus content, on va dire. De Cité Sorbet, parce que c'est la c'est la vraie nouvelle map, là, pour le coup, de ce gros DLC. J'espère vraiment qu'ils vont faire au moins une map à chaque fois, sur chaque vague, parce que, franchement, ce serait trop cool. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils fassent ça, parce que si c'est jusqu'à fin 2023, on peut pas avoir que des... Que des remasters, ouais. En vrai, c'est très cool, les maps, là, mais voilà, Escapade New-Yorkaise, elle est très cool, mais... T'as joué à Mario Kart Tour Pour le coup, ouais. Et puis je pense que, faut nous dire dans les commentaires s'il y en a beaucoup qui ont joué à Mario Kart Tour et du coup qui découvrent pas ce genre de map. Ouais, en fait, je dirais que c'est excellent si tu connais pas Mario Kart. En fait, c'est là où la force de Mario Kart. Mario Kart, c'est le jeu le plus vendu de Nintendo. Oui. Sur Nintendo Switch, hein, ça fait juste depuis 2013 qu'ils le vendent. Et que depuis la sortie de la Switch. Tu peux parler de tous les jeux de Mario Kart depuis le début quand même. Je pense que c'est les jeux presque les plus vendus, tous. Oui, de toute façon, c'est pour ça Mario Kart, c'est du grand public, hein, c'est pas du tout du tryhard. C'est pas. Ou alors si, mais ça va être très très très, très, très sectaire quoi. Oui, c'est ça. Mais la plupart, sur les millions et les millions de cartes vendues, c'est du grand public. Donc en fait, quand. Tu joues à ce genre de choses, tu te dis ah ouais, faut quand même penser à ceux qui découvrent Mario Kart pour la première fois. Oui, c'est ça. Ah, après, tu vois, nous, c'est pour ça qu'on est plus. On peut être peut-être un peu plus objectif. C'est qu'en fait, c'est des maps qu'on a fait, ça fait 4 ans, 5 ans. On les connaît par cœur. Ah oui, c'est toi. Oui, c'est pour ça que mes cartes. Moi aussi, j'ai une carapace verte. On les a fait sur. Ouais, sauf que moi, ils tournent donc. Déjà, on a joué beaucoup à Mario Kart 8. Moi, j'ai joué beaucoup à Mario Kart DS. Déjà, ouais, DS. Après, on a beaucoup joué. Moi, j'ai énormément joué au 7 sur 3DS. Mais alors. Là, trop bien, regardez. Ouais, c'est très bien, super. On découvre la nouvelle partie. Ah oui, j'avoue. Parce qu'on l'a testé juste avant. Ça comprend rien. Oh, punaise. Mauvais timing. Voilà, c'est un tunnel et du coup, c'était à trouver. T'es dans une salle de théâtre, Broadway. Non, mais... Ouais, premier, deuxième. En fait, c'est pour ça que c'est très bien ce qu'ils ont fait de rajouter 48 maps. Tu vois, c'est ça. Oui, hein, 46. 24 maps. Non, 46. Il y en a combien? Il y en a 8. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. 40 maps. Si, il y a 10 coupes et il y a 4 maps à chaque fois. C'est 40 maps, non? Je sais plus, 48 maps, je crois. Non, il y en a 6. Entre 40 et 46. Non, c'est 48. Je crois que c'est 48. Mais du coup, tu te dis, voilà, jusqu'à fin 2023, au minimum, et sachant que Mario Kart 9, il sortira pas avant 2025. C'est quasi sûr. Ils vont pas taffer si en plus ils font des nouvelles maps. S'ils font des nouvelles maps, pour 6 mois oui. d'intervalle, genre ah c'est bon. Non, là on va avoir. Au moins, est-ce qu'on va avoir un Mario Kart 8 Deluxe avec toutes les avec maps. Avec toutes les nouvelles maps. Ah oui. Avec le Mario Kart 9, ce sera un Mario 8 Deluxe. Non, Mario Kart 8 Deluxe Gold. Vas-y, dépose le nom parce que je suis sûr que ça va être ça. Gold Edition. Avec le pass. Avec tout le pass inclus dedans en fait en version boîte. Ouais, dedans t'as toutes les maps. C'est ça. Je vois pourquoi il le fera pas. Avec une jaquette dorée. Ouais, avec une jaquette. Vas-y, vous notez, hein. Pour l'année prochaine. Peut-être que vous aurez oublié d'ici là. Noël l'année prochaine. Bon, bah, je me fais martyriser. En gros, ce qu'on veut dire, voilà, ce qu'on veut dire, c'est que c'est très bien. C'est très très bien. Au moins, ils ont essayé de penser un minimum à ceux qui jouent à Mario Kart depuis 15 ans. Oui, c'est vrai. Mais c'est très bien pour les nouveaux joueurs, quoi. Après, pour le prix, voilà, t'en as pour ton argent, je dirais. Ah oui, mais, ça on avait dit. Hein. Mais le petit mais, parce que nous, on a dit toujours un mec, les mecs, hein. Ils sont insupportables. Ah ouais, vraiment. Content. Mais c'est les mêmes maps qu'on a depuis, ouais. Bah oui, on les connaît, en fait. T'as pas l'impression, ça fait pas nouveauté. Oui, voilà. Là, j'ai l'impression qu'on joue sur le mobile, à Mario Kart Tour, il y a 3 ans, ou sur la 3DS, tu vois, quoi. Oui, c'est ça. Tu connais, quoi. Tu connais.
Pour ça, alors je sais pas, je pense qu'il y a deux lectures. Il y en a qui vont se dire, ah yes, c'est ma préférée, c'est trop bien, je pourrais y rejouer. Ouais, bah moi par exemple, je suis contente pour le Waluigi Flipper, ouais. Bah ouais, Calimari, c'est vrai que j'ai oublié que c'était Mario Kart Tour, je me suis dit, punaise, j'y ai Calimari, tellement... Calimari, je suis moins fan. Bah moi, j'aime bien les maps bah, comme ouais, New York, visuel. Ouais. Bah en fait, là, c'est des maps plus. Calimari, elle me fait penser à la map de Wario, tu sais, avec les. Ouais, plus c'est mais visuellement. Mais oui, Calimari, c'est de nostalgie. Mais en fait, c'est. Bah c'est là aussi. Oui. Mais en fait, ils ont refait Mario Kart Tour, en fait. C'est oui, Mario Kart Tour qui intègre au jeu. Oui, c'est ça. Tu vois, exactement. Ça aurait pu être appelé le DLC Tour. Oui, 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 ils auraient pu appeler ça comme ça. Mais, bah, du coup, c'est pas très. Sachant que Mario Kart Tour, c'est 2019, hein, donc c'est pas très très vieux. Enfin, on va c'est, dire c'est ça. C'est 2019 Bah, j'ai vu 2019. Oh, j'ai l'impression que ça fait une éternité. Moi, j'ai. Bah, ouais, mais je pense que. Le petit 2 ans, là. Ah, ouais, j'avoue. Ouf, oh, punaise, que 2019. Après, ouais. 2019, c'était quand même 3 ans. Hein. Je pense que c'était. Ouais, 2019, je crois. J'ai l'impression que ça fait, ça fait 1000 ans que ça existe. C'est ouf, hein. Le temps il passe tellement pas vite. Ouais, en fait, j'ai l'impression que tout ce qui est. Tout ce qui est sorti en fait. Alors que tu vois, la Switch, j'ai l'impression que ça fait vraiment longtemps qu'elle est sortie pour le coup. Ah, moi j'ai. Carapace oh, oh, le vide. C'est bon. Finalement, je regardais ton écran du coup. Ouais, c'est ça, du coup, ça t'excuse oh, de perdre, c'est ça. Voilà. Oh la déchéance. Mais c'est cool. Non mais c'est cool. Après voilà, c'est vraiment littéralement juste du contenu. On va dire oui. C'est ça, tu vois. Oui, c'est ça. Pour c'est nous, ça. En tout cas, peut-être pour ceux qui découvrent le jeu avec Mario Kart, voilà, qui sont peut-être plus jeunes, qui n'ont pas eu la chance bah oui, de découvrir sur 3DS pas, et oui, tout, ouais. Vous allez vous dire ah c'est trop bien, il y a plein de nouvelles maps. Oui. Et peut-être que voilà la map Wii de Champignon. Après, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont la Wii. Au moins la Wii, ouais, à partir de la Wii. Ouais. Donc je pense que c'est des maps parce que c'est des maps qui sont ressorties sur presque tous les Mario Kart en fait. Parce que là on parlait tout à l'heure par exemple celle de Super NES elle est sortie sur GameCube, elle est sortie sur machin, sur 3DS et tout en fait. C'est en vrai. On les connaît tous. Ouais c'est vrai. C'est vrai qu'on les connaît, on les connaît on bien. On les connaît ouais. Tous bah, bien. C'est t'es sur un terrain acquis tu vois. C'est ouais, de, c'est ça. Ça va être du fanservice pour les vieux et de la découverte pour les plus jeunes quoi. Mais du oui. Coup ça sera surtout beaucoup de fanservice. Après voilà, on va pas se mentir, pour le prix c'est quand même relativement correct, ah bah 25, oui. 25 euros, ouais, vous avez 48 maps, ouais. 50 centimes après, de map. Après, étalé sur 2 ans quoi. Oui, c'est en fait, c'est un micro-crédit de map Mario Kart. Ouais mais non, parce que c'est paiement instantanément. Oui je sais. Netflix ça Oui je sais, mais c'est comme, en fait tu payes et après t'as c'est petit ça. À petit en fait. Tu payes tous les mois et tu t'obliges à regarder des trucs en disant, punaise j'ai payé, il faudra quand même que je regarde. Non, punaise c'est cher, faudra quand même que je regarde. Oui ouais. C'est pas pour rien quoi. Mais bon, comme on va plus trop au cinéma, voilà. Oui, c'est vrai. Nous, on a un choix. Oh, on n'a toujours pas été voir Thor. Nous, pas aller voir des Marvel. Non, c'est la première fois. En fait, je pense qu'on a presque pas envie d'être déçus. Ouais. Et on préfère le découvrir. On à a vu les notes. Non, sur, non, mais moi, je préfère les presque. Et tout, je préfère pas se découvrir à rage que de me dire, punaise, ouais. J'ai payé 15 balles pour ça. Quoi. Ouais, c'est ça. 16. Et encore, on est dans un cinéma. Non. Ah non, c'était toi. Quoi? Ah, on passe sur les rails, enfin, j'avais raison. C'était moi. En fait, c'est moi qui me suis mis la carapace et du coup, Guillaume, il a cru que c'était lui. Parce que j'ai vu le truc derrière moi. Oh punaise, je vois ah, rien. Ah, bah super, une banane géniale. Je pense que. Oh non, j'ai perdu ma carapace rouge, vas-y. Fais gaffe, le train il va être sur les rails. Ouais, oh, bah, c'est bon, je passe à gauche. Quoi? 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 Attends, mais d'où on passe dans le. Ah ouais? Ah, ils ont fait l'effort de changer un peu les mains. Ou alors, attends, je débarque ou. On débarque peut-être. C'est peut-être hein. Sur tour où tu passais. Oui, non, c'est... mais attends. Ah oui, c'était sur tour qu'on passait pas. Parce que, tu sais, en fait, on ouais, confond ouais. Beaucoup alors. Quoi? Ah oui. Je me trompe de route. Oh, genre. Non, non, Peach, elle l'avait là. Le problème, c'est qu'il y a Daisy qui est devant, qui va me casser ma couronne. Ah! C'est bon. Ah mince, j'ai fini ça pour moi. Daisy, pardon. Tu passes premier? Juste derrière. Moi, je suis toujours à la ramasse, hein. Voilà, on change pas une équipe qui gagne, hein, Kim qui. Mais Ah ah ah! Oh, hé! Quatrième, c'est pas mal, tu sauves les meubles. Je sauve les meubles et je stabilise mon rang. Tu vas voir, je suis déjà quatrième. Mais tu vois, moi, le côté nostalgie, je suis pas sûr de l'avoir quand ça fait. Ouais, ça, sur les 10 dernières années, ça fait quatrième fois que t'as la réédition cette map en fait. Oui, oui. On va dire que c'est ça. En fait, oui. J'exagère. C'est sorti en quelle année de Mario Kart 7? Ça va être comme Mario Kart 8 7, Deluxe, c'est 3DS. Hein. Ah, attends, 7 c'est 3DS. 2011? Je dirais que c'est 2010. Donc en 10 ou 2011, 11 ans. Ouais. On a eu trois fois leur réédition. Non, attends, en 6 ans. Non, en 2017. Oh, c'est trop beau. Ah, elle est belle celle-là. Elle est trop mignonne. Ah, elle est belle celle-là. Bah, dès que t'as un petit effet néon et tout, tu vois. Ouais, j'aime bien. Moi, ah, j'aime bien. Sûr, ouais, c'est là. C'est là ouais. Et puis sur tour. En fait, tu vois, t'as tour, ouais, en fait, t'as tour. Tour qui a déjà fait ça. Et du coup, tu fais, ah bon, bah, trois encore, on fait la même chose. Et tu fais, c'est bien. Sur mais, tour, c'est gratuit. Hein. Mais du coup, nous, on aime bien avancer des fois et se dire, au moins, il y a une nouvelle map peut-être à chaque fois. Oui, fais, c'est ah, pour ça. Ouf. Nous, on est très contents de la nouvelle map. S'il y a une nouvelle map à chaque fois, il reste encore 6 nouvelles maps. Ouais.
Ça veut dire qu'on tournera peut-être. Ça veut dire presque une course. Ça veut dire. Alors, un truc. Moi, je vais être objectif. Je pense qu'il y aura une nouvelle map une fois sur deux. Une fois sur deux, tu penses? Donc, il y aura quatre nouvelles maps. Ouais, je dirais ça, moi. Donc, une coupe, quoi, en fait. Ouais, je pense. Une coupe de nouvelles maps. Donc, c'est pas trop mal. Et ce qui aurait été cool, c'est qu'en fait, ils débloquent, en fait, à chaque mise à jour, ou de temps en temps, une nouvelle map pour faire une coupe avec que des nouvelles maps. Ah oui, ouais, mais ils pouvaient pas parce que sinon ils mettaient une coupe. Oui, sinon, du coup, c'était. Non, là, c'était. Je pense que c'est. Pas. Je pense qu'ils ont, peut-être réfléchi à ça, mais. Ils se sont dit, soit on met tout d'un coup les nouvelles et après c'est que des remasters, soit on attend tout le long. Ouais, moi je préfère petit à petit que. Mais du coup, on va peut-être avoir, ouais, moi je pense sur 4. Hein. Moi je dis 4. Moi je dis 4. 4 nouvelles maps sur ce DLC. Fin 2023, on se retrouve et 4 nouvelles maps. Ouais, vous notez. Donc Cité Sorbet est la première. Citron Sorbet. Le mot de passe. Cabot, Dracolus. Bon, en tout cas, Guillaume Gier. Citron Sorbet, c'est pour aller où alors d'ailleurs? C'est pour aller dans la salle de Gryffondor. Non. C'est pour aller chez Dumbledore. Oui. J'ai confondu. Parce qu'en lag, il descend, là, oui, c'est un ça, petit effet. Ouh. C'est bon, c'est ça. T'as l'impression qu'il va dire un mot de passe de ouf et là, il te sort citron sorbet. Ouais, il sort citron, vanille et puis fraise, s'il vous plaît. 3 boules. Ça te dit. Oh non, j'aurais dû utiliser ma jama. Un sorbet de citron, c'est bon le sorbet de citron. Oh là là, t'as pris un sorbet citron meringué. Oh là là là. Oh là 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 là. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah ouais, ah ouais. Glace artisanale, d'ailleurs, c'était au plus. On j'ai a acheté c'était au citron meringue. C'est 4,50 les trois. Les deux boules, c'est. Non, ça. Je pense que ça va. En vrai, ça va. Pour un truc touristique, franchement, ça va. Pour un parc à thème, encore plus, ça va, tu vois. Oui, ouais. Dans le contexte, ça va. Mais du coup, glace de ouf, tu vois, artisanale. Oh punaise, mais non, mais je l'ai fait, les gars, là. Et incroyable. Incroyable, genre, bien acide comme ouais. Il faut. Oh non, mais non, ça suffit, hein. Oh non, ah oui, mais tu vas passer devant. Ah, ils te mettent devant, donc ça va, tu perds pas non, trop. Non, regarde, j'avance pas. What? Non, mais c'est une vaste blague, hein. Vraiment, c'est. Ah, oh. Quoi? Oh là. Attends, là, là, ça a pété la carapace, non, j'ai rien compris. Je crois que le jeu, il veut juste que je passe ce truc doré direct, parce que sinon. Ça a pété la carapace. Ça a pété la carapace? Non, la carapace, je l'ai eu, puis j'étais en train de faire en ralenti. Et du coup, devant, il y a eu éclair dès que je suis sorti, il y a eu carapace bleue. Oui, mais j'ai bleue. Vu, ouais. Donc au pire, je passais, j'avais la carapace bleue. Non, mais affreux. Allez-y, mets Justin, là. Allez, le doré. Bon, bon, je leur fais quoi. Le doré, bon. Oh, je suis n'importe quoi. Pour eux, hein. Le doré, pour Yigi. Mais c'est cool, ouais, c'est pour ça, voilà, hein, il n'y aura pas de la nouveauté tous les 18 mois. Donc, on va profiter un peu de cette mise à jour. Voilà. Et vous aurez sûrement Deuxième vidéo avec... Oh non. Mais non, mais non. Bah non, mais c'est quoi, c'est en fait... Mais non, les gars, non. Allez, allez, Guigui, allez, Guigui. Mais je regarde ton écran, du coup, je suis à n'importe quoi. Ouais, si c'est une carapace qui sort, ça sera instant et je la verrai pas, voilà. Hein, moi, je la referai pas. Il restera plus que Sprint à Sydney, Pays-Neigeux... Oui. Enfin, Pays-Neigeux, Gorge Champignon et Sidon. On va garder ça pour la prochaine fois. Parce ouais. Que, alors... Bah non, mais on va découvrir petit à petit, voilà. C'est... Ouais, parce que là, Dojo Ninja, il a vendu comme nouvelle, mais c'est pas nouveau. C'est, mais oui, pas mais ça, j'ai pas compris, parce que vous nous avez tous dit que c'était, ça venait de Et Tours, en fait, oui, aussi, ça vient bien de Tours, hein. Et en fait, ça venait bien de parce Tours, parce que je pense qu'ils là, ont beaucoup retravaillé. Oui, c'est possible. Je pense possible. Que c'est une inspiration. En fait, c'est presque une inspiration. Une inspiration, ouais. Ouais, pff, celle-ci. Oh, ouais. Visuellement, bah après, c'est, voilà, c'est le style aussi, hein. C'est le ouais, style mais de même les couleurs, l'ambiance... Parce que je pense qu'elle est trop retravaillée. C'est possible, parce que tu sais, on est à moitié perdu dessus, hein. Tu sais pas non, où ça, aller, il faut aller en haut, cool. En bas, elle est très belle. Ah ouais, elle est vraiment belle. Ils ont travaillé leur modélisation sur Paris ou pas? Sur Paris. Je crois que c'était les sols, il ouais. Y avait certains trucs, la pelouse, non, il n'y avait pas de la pelouse. Si, il y a de la pelouse. Ah si, c'est ça, voilà, ça. Ah oui, ça, ah, donc, qui ça, ça est peut être cubique, quoi. Là, quand tu vois la tête des fleurs et... ouais, tu fais... Mais moi, je vois des Nintendo pétales... Nintendo 64, quoi. Moi, je vois des pétales carrés aussi. Tu vois pas non, après vraiment des pétales carrés. Donc je pense que c'est la même qualité. Parce que... Non, ils ont peut-être retravaillé les détails, je sais pas. Je sais pas. Mais là, ouais, non, là... Voilà, ouais, les fleurs. Là, ouais. Les fleurs, c'était rajouté. Il faut rajouter un truc, les gars, vite. On va aller refaire des fleurs carrées. On a un truc gratuit, tu sais, que tu t'es cherché sur internet, prédéfini en mode 3D. Et puis ils l'ont posé là. Ah, ça matche pas avec le graphique, quoi. C'est pas grave. Avec le graphisme, c'est pas grave, vas-y, mec. Compile. Non, ah oui, et puis peut-être la. Non, la pousse, ça va. La pousse, bah. Ouais, oui, c'est rien de grand méchant. Après, c'est Nintendo, hein. C'est pas des jeux où. Alors, si vous voulez des graphismes de fou, faut pas jouer sur Nintendo. Est-ce hein. que. La première vague est meilleure que la deuxième vague ou la deuxième vague est meilleure que la première vague? Ah bah j'ai pas fini pour l'instant. Visuellement. Alors visuellement je dirais que le circuit Mario 3 et Desert Calamari c'est pas les trucs les plus beaux par contre. New York, Flipper et New York incroyable. Ouais. Après avoir Sydney celle-ci. Faut voir parce qu'on la connaît pas. On la connaît on pas. Plus, ouais c'est ça. Après moi j'ai bien aimé c'est la première avec. Paris. Ouais le Coco était super sympa. Ouais. Après Toad était classique. Ouais. Tokyo était incroyable. Ouais, Dojo Ninja. Il y en a toujours deux qui sont plus classiques, je dirais.
Ouais, qui demande peut-être... Ouais. Mais... Ah si, elle est trop bien, celle-ci, j'y jouais de ouf. Ah ouais, si, j'y jouais de ouf. Mais elle a été portée aussi. Pays et jeux. Et bah tu découvriras ça dans la prochaine vidéo. Oui, on verra, vidéo. Voilà. En tout cas, on espère que ça vous a plu. Faut pas hésiter à mettre un maximum de pouces bleus, à s'abonner à la chaîne et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Yes. Kim. Allez, salut.